et Moyave 6S avec, je crois que c'est Rocket Mi 450, pignon de, je sais plus ce que j'ai mis, 98. Et surtout, je reprends contact avec la Dumbo RC, puisque je roule principalement avec la Wi-Fi maintenant. Et je suis, vous êtes suivi par la Osmo Action 4, qui est à 50% de batterie, en 4K, 60 images par seconde. Par contre, avec la stabilisation, avec le maintien d'horizon, tu vois, je bouge la tête de gauche à droite de plus en plus, de plus en plus. Voilà, normalement, bah, est censé te garder l'horizon la plupart du temps, ce qui devrait foutre un peu moins la gerbe du haut d'une casquette. Ça, j'ai pas pensé à mon deuxième pack, merde. T'as eu ? Mais j'ai mis 10K. Je vais rentrer vers 13h maxi. Ah, ok. Ici, j'ai encore 4 packs à faire. Faut enchaîner. Tu reviens à la Dumbo, tu étais avec la Wi-Fi. Je sens que la gâchette est presque un peu trop souple, le volant un poil trop dur. Et ça, c'est parce que tu as eu la Wi-Fi Live, parce que quand j'avais la Dumbo, juste la Dumbo et la Flasky à comparer, ben ça posait pas de problème. Hop, là, on revient. Oui. C'est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne tient pas bien, mais que la carreau se balade. Curieux. Ben, bah, ça commence. Le mouillage, c'est un temps, c'est ça? Ouais, bah alors, face à 15 kilos, je mettrai pas une pièce quand même, hein. Non, par contre, je crois que j'ai trop réduit la direction, ils tournent plus. Le circuit, c'est un de tuyaux. Ouais. Oh. Ah bah ouais, ah, il dit de moi, et puis... bon, c'est la sienne, d'accord. Ouais, il manque un peu de direction mon Moyave. Après le Lozi que je testais avant, il avait vachement de direction aussi, ça joue. J'étais full gaz, mais je me suis rappelé qu'il y avait le trou, freine. Ouais, il roule bien, hein. Merde. Regardez lui et pas moi. Ah, j'ai accroché quoi? Ah, sur le dos. Ouais, faut que j'ajoute de la direction, c'est un peu chaud. Si t'arrives pas à la mettre en glisse, les virages sont un peu chauds. Voilà, bah oui, ça fait beaucoup trop tôt. Allez, repère d'en bas, c'est quelque chose. Hein.
Ça compte. Pardon. Je vois plus. Ah, je suis là. Je vois plus. Voilà, je suis là. Ah, braque pas, voilà, faut que je joue la direction. Je suis sûr que le 4S qui braque mieux. En même temps, je suis à l'aveugle. J'aime bien le voir aussi au ras du sol comme ça. Monte la direction là. J'avais su, j'ai un peu ça. Et hop. Ah, raté. Pardon. Ah, je tourne vraiment pas. L'hypo en fait c'est Yum Power 6S 4500. Déjà j'ai l'impression que manque de pêche un peu. Je pense que la coupure approche, putain les packs passent vachement vite hein. Ouais, je pense qu'il va falloir que je refasse, que je commence à jouer avec les huiles de diff. Là je suis full stock. Et clairement il faut que ça accroche plus à l'avant. Tout va bien. Ah, fini? Oula, mais ouais, je tourne vraiment pas en fait. Non, non, il tourne pas. Presque. Même pas vrai. Ah ouais. J'essaye ou pas? Ouais. Non, non, elle est tombée. Tu crains pour la cage? Ouais, je crois que ça. Allez, je te laisse. Le trou!
quand même. Quand je prends le moya, c'est pas pour faire du tricot, c'est vraiment pour débrancher le cerveau, m'amuser, mettre en travers et puis on voit ce qui se passe. Et c'est ça qui est drôle. Là, je suis pas en mode branlette, trajectoire, performance et tout, c'est juste m'amuser. Le reste, je le fais avec d'autres machines, éventuellement. Propre. Merde. Je croyais que tu me poursuivais. Et j'ai hâte de revoir le. D'avoir le 4S là, pour pouvoir faire un comparo en les enchaînant les deux. Effectivement, ils ont. J'ai envie de dire qu'ils ont autant de points communs que de différences. Et c'est un peu le même délire que DF7, TB7. Tu reconnais des trucs en commun, mais les deux machines sont différentes. Mais tu sais pas trop à quoi l'attribuer en fait. Le trou. Ah! Bah, vu qu'il a décidé de bien apprendre, j'en profite. Hein. D'habitude, je galère un peu plus. Quand toi, la direction, faut faire. Faudrait que je check mon dual rate ou quoi, mais je ferai pas en roulant, je ferai après. Mais ouais, il faut vire vraiment à mort. Il faut vire et il braque pas. Quand tu viens du RZR qui braque bien, ça choque un peu, regarde. Voilà. C'est vrai que j'aime bien faire une petite mise en travers, tu remets les gaz, tu glisses. Ah oui, bon, il faut être un peu plus fin que ce que je fais d'habitude. Bon, moi je m'amuse. C'est pas compliqué, hein, moi je demande pas plus. Juste qu'il tape un peu moins, ça c'est un peu chiant, mais... Ça gâche un peu le plaisir du pilotage, mais c'est vraiment un rare truc que je peux lui reprocher. Surtout que les trois quarts des pièces qui a changé dessus, je vais pas lui demander de la précision de conduite, clairement. Le trou. C'est-à-dire que le pilote n'est pas concentré. Ah là ouais. Je vais mettre une petite gaz pour glisser bien sur les carreaux, mais je suis pas arrivé. Double passer d'élan. Je suis sûr que je peux faire un petit travail sur la carreau pour qu'elle fasse moins de bruit. Je trouve qu'elle bouge beaucoup là. Peut-être des petites mousses pas calées là pour amortir les chocs. Ah, j'adore vraiment ce quai, franchement, regarde. Ah, je pense que la coupure approche, j'ai de moins en moins de gaz. Ouais, depuis tout à l'heure, j'ai débranché le cerveau, hein. C'est-à-dire plié aussi. Oula, ça glisse. Le trou. Et à chaque fois, hein, j'ai pris l'habitude de prendre large, rien à faire, hein, l'habitude elle est ancrée. Hein.
Ah ouais, là. J'ai trop demandé. Ah, il n'y a plus rien.